Bonjour! J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de Boruto. Et aujourd'hui, l'épisode est consacré un petit peu au fils de Rock Lee qui accompagnera bien Shikadai, Inojin et Boruto. Ouais, j'ai retenu les noms. Ah bah à un moment donné, je vais pas toujours les appeler le fils d'un tel, le fils d'un tel. Il va falloir s'adapter. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire la vérité, ça va bien au-delà de mes attentes. Je pensais pas que Boruto pourrait me plaire, qu'il garderait un petit peu la philosophie de Naruto dans son histoire, dans sa manière de penser, dans ses leçons aussi que ça enseigne. Et ça continue pour le troisième épisode, chaque personnage est bien traité, et quelque part j'ai même envie de dire que les parents, ils peuvent les mettre de côté, hein, les Naruto et tout ça, bien que de temps en temps il faudrait une petite accroche, un petit truc lié aux parents, Naruto, Sasuke, machin machin, mais je pense qu'on peut clairement faire des enfants désormais une nouvelle histoire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire de toute manière. Alors le fils de Rock Lee se nomme Metal. Plus précisément, Metal Lee. Et la particularité du garçon, à l'inverse de son père Rock Lee, c'est que celui-ci perd confiance en lui très très vite. Dès qu'il y a du stress, il arrive plus trop à gérer et il va essayer de faire, mais il va mal faire. Alors que son potentiel, comme on a pu le voir dans l'épisode, c'est quelque chose d'énorme. Peut-être même que de sa génération, il pourrait être le plus puissant. Actuellement, bien sûr. Comme d'habitude, on va résumer ensemble l'épisode et celui-ci commence directement avec la vision maléfique d'un personnage. Et on peut constater, quand on regarde bien, le serpent qui avait mordu Denki lors du premier épisode, celui qui avait utilisé Denki lors de son moment de tristesse, de perdition. Alors, faut être clair, hein, j'imagine bien que cette ombre de lion bizarroïde n'est pas un méchant de ouf, hein, c'est un semi-méchant, hein, un méchant marrant, quoi, quelque part. J'imagine pas que ça aurait une très très grosse importance, une très très grosse incidence dans l'histoire de Boruto. Mais c'est ce qui permet de manipuler un petit peu la tristesse, la perdition d'un personnage, bah, quand il est mal, quoi. Et le manipuler, le rendre un petit peu méchant le temps qu'il retrouve un petit peu ses pensées. Et c'est très souvent aussi à l'aide de ça que Boruto a pu constater que bah, il avait un œil bizarre qui pouvait analyser le chakra maléfique du personnage. Donc dès le début, on a pu apercevoir un petit peu plus ce méchant qui a l'air d'utiliser nos gentils à nous, quoi. Et on est directement dans l'académie, cette fois-ci, pour du lancer de shuriken. Shino Sensei qui explique un petit peu les règles et les conditions du jeu pour que chaque élève puisse alors tour, bien s'organiser pour lancer les shurikens. Sauf que les élèves, ils m'ont tué, les mecs, ils respectent rien. Et comme il a dit, Shino, en gros, on m'écoute pas. Chacun lançait un peu ses shurikens comme ci, comme ça. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on arrive à voir un petit peu les plus doués à travers déjà cette épreuve. Shikadai, Inojin et Boruto qui arrivait en mode, tu vois, comme Naruto qui veut toujours prouver plus que les autres, avec ce qu'on appelle un shuriken Fuma. C'est-à-dire un très très gros shuriken qui pouvait être dangereux pour leur génération. Ils sont un petit peu trop jeunes peut-être pour utiliser ce genre de matériel. Et bien entendu, sur le coup, il y avait Metal Lee, le fils de Rock Lee qu'on voyait peut-être pour la première fois de cette histoire. Et de ses premiers mots qui expliquaient un petit peu qu'il s'entraînait isolé dans les montagnes, j'imagine, comme son père et le maître de son père, Gai Sensei. Et attention, je tiens à m'excuser car la dernière fois j'avais fait une erreur, j'avais dit que Gai Sensei c'était le père de Rock Lee, alors que j'étais conscient, mais... Tu vois, des fois, quand tu racontes comme ça, tu te perds. Hein. C'est un petit peu son père spirituel, peut-être, ouais. Mais pas son père. On est tous d'accord là-dessus. Autre détail important qu'on peut apercevoir avec Metal Lee, c'est que celui-ci lançait les shurikens de très bonne manière, et dès lors qu'il s'est vu être visionné par ses personnages, par ses camarades, il a commencé à stresser. Et dès qu'il sent du stress, notre Metal Lee commence à bégayer et ne plus réussir à lancer ses shurikens. L'épisode nous montre clairement l'aspect de sa personnalité qui va être bon, je pense, avec le temps à travailler. Ça peut être quelque chose de très sympathique, De faire en sorte que dans l'histoire on essaye de lui redonner confiance et que lorsqu'il a confiance il devienne l'un des plus puissants peut-être. Quand Boruto est arrivé avec son méga shuriken, et ben Metal lui voulait en fait faire un truc de ouf. Il a voulu utiliser le Konoha Senpu, la tornade de Konoha, technique de son père et de Gai Sensei. Sauf que comme je l'ai dit, dès qu'il a de la pression, il commence un petit peu à bégayer et à rater tout ce qu'il est en train de faire. Et croyez-moi que ça aurait pu être très dangereux pour Metal. Il a été demandé à Boruto, mais qu'est-ce que tu faisais avec un shuriken Fuma? C'est pas dans nos compétences, qu'est-ce qu'un... Et lui, il a expliqué en fait qu'il l'avait trouvé dans un casier. Et vous savez, c'était dans le casier de qui? Dans le casier de Iwabe. Rappelez-vous, dans l'épisode numéro 2, Iwabe, celui qui était un petit peu aigri et qui n'acceptait pas trop la présence de ses petits mioches, quoi. Et ben celui-ci, comme j'ai pu le dire, il avait des grandes capacités bien supérieures aux autres. Mais comme a pu le dire le sensei Shino, il était interdit d'avoir ce genre de matériel à l'école. Tout le monde est convoqué par Shino et il y aura une punition. Ce que j'ai bien aimé dans la manière de punir Shino, étant donné qu'il a été dit par des élèves, nous on n'a rien fait, c'est juste Boruto, par question de solidarité, tout le monde devait venir. Et on marque l'esprit
esprit d'équipe directement avec l'enseignement de Shino. Et c'est clairement l'enseignement du Shinobi. Si tu punis un, tu punis tous. Quand tu fais partie d'une équipe, si tu fais le bien, tu la rends meilleure. Si tu fais le mal, tu la pénalises. Et c'est tous ensemble qu'ils ont été pénalisés par Shino. Vous savez en faisant quoi? Du travail manuel. Et de quel travail manuel on parle? Celui de reconstituer proprement la statue de Naruto. Celle, encore une fois, que Boruto avait détruite à la fin de l'épisode numéro 1, rappelez-vous. Boruto, il est peut-être attachant, mais il fait payer déjà à beaucoup de ses camarades de classe. Il va y avoir de la vengeance dans l'air, peut-être. Alors déjà, j'aime beaucoup l'ambiance camarade. Qu'on voit bien mieux qu'à l'époque de Naruto, des camarades bien plus solidaires aussi qu'à l'époque, car avant même d'avoir connu les grosses missions, là on n'est pas dans des missions, on est clairement dans l'enseignement, eh ben on voit quand même des élèves un peu soudés, bien que j'imagine que sur le long terme il y aura certaines séparations avec le temps. Mais ce que j'aime beaucoup actuellement, c'est qu'on est dans une vision un peu écolière, et j'aime bien moi ce qui touche à l'école, ça nous rappelle tous un petit peu nos souvenirs, et on a une facilité à se comparer à ces personnages aussi. Donc notre Shikada est un petit peu flemmard sur les bords comme son père, mais de manière stratégique, avec un cerveau quand même bien plus en avance que ses compères. On a aussi un petit peu la déléguée de la classe, qui est un peu comparable à Hinata, avec un petit peu moins de timidité, j'ai envie de dire. Elle se permet de mieux parler avec tout le monde, et avec toujours de la bonne volonté, jamais elle se plaint, et toujours elle cherche des excuses pour ses camarades. Vraiment, c'est une très bonne déléguée de classe. Et notre ami Metal Lee, qui commençait à avoir un petit peu beaucoup de pression, vu qu'il était face à la sculpture de l'Hokage Naruto. Celui-ci se disait, purée, c'est quand même la sculpture de Naruto, comment je vais faire? Et plus il a de la pression, rappelez-vous, plus il rate ce qu'il est en train de faire. Après avoir pris une petite pause, Boruto et Shikadai, qui s'amusent avec leur console de jeu, on remarque encore une fois avec les consoles de jeu, les hamburgers, ceci, cela, qu'il y a une évolution culturelle. Il y a une évolution dans la ville. Ce n'est plus réellement un village, j'ai envie de dire, c'est une ville. Et Metal Lee qui commençait un petit peu à péter un plomb sous la pression, et il a fini même par encore plus détériorer la sculpture de Naruto. C'était marrant à quel point le stress pouvait le rendre fou, quoi. Alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, et ben Shikadai, le fiston de Shikamaru, s'est vu être un petit peu dur dans ses propos envers Metal Lee. Il lui expliquait du style que c'est bien beau de s'entraîner en montagne, ceci, cela, mais tant que t'arriveras pas à travailler ton stress, tu feras n'importe quoi. Et lui a aussi fait comprendre que tout le monde avait remarqué qu'il était tout le temps stressé, que ça le faisait échouer. En gros, alors que Metal Lee était déjà mal sur le coup, voir des amis le tacler indirectement là-dessus, ça lui a fait doublement mal, et il a fini par rentrer tout seul chez lui. Inojin s'est vu dire à Shikadai qu'il a peut-être été un petit peu loin quand même. Et notre délégué de la classe a expliqué un petit peu à tout le monde que Metal Lee, c'était celui qui se donnait le plus à fond aussi. Il fallait pouvoir voir aussi cette capacité en lui, au lieu de regarder que ses défauts, voir aussi le bien qu'il veut donner, ses intentions sincères, sa motivation. Nul n'est parfait, et le fait de vouloir faire trop bien, ça lui met la pression. Shikadai, une fois rentré chez lui face à sa maman Temari, il a pas fait le show très longtemps, je vous le dis, hein. Bah, vous imaginez bien qu'il faisait partie de la bande qui a été punie, et sa mère a été au courant. Elle lui a mis une vraie pression, et alors que Shikamaru, le papa, qui rentrait, et là ça devient nostalgique de voir un Shikamaru papa. C'est là qu'il y a un travail dans Boruto, c'est de voir l'évolution des enfants, mais aussi celle des parents qu'on a connus dans l'histoire de Naruto. Et sa mère pétait un plomb en disant, mais qu'est-ce qu'il a foutu à l'école? Parle à ton fils, qu'est-ce que c'est que ça? Et Shikamaru, avec cette sagesse de papa qui s'adresse à son fils, expliquait avec beaucoup de science et beaucoup de recul que c'est en faisant des gaffes étant petit qu'on apprend un petit peu la vie, que les enfants parfaits n'existent pas, et que c'est à l'aide de cette perfectionnalité, ça veut rien dire ça, mais vous m'avez compris, qu'on peut avancer vers ce qui se rapproche le mieux du parfait. En gros, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et parfois on apprend mieux en faisant des erreurs que de ne pas en faire. Le tout, c'est que les erreurs ne soient pas faites de manière volontaire. Et à force de se voir grondé et remis en question par parfois des plus adultes, des parents, des senseis, etc., il y aura une progression. Mais pour en arriver à cette progression, il faut la remise en question. Le fait d'être incapable de reconnaître ses propres fautes, c'est un grand signe de danger. Se refuser de demander pardon aussi. Et Shikadai a assimilé toutes ces informations en se rappelant peut-être le mal qu'il a pu commettre à Metal Lee dans ses propos. Et Shikadai termina avec ses propos, papa, tu as raison. Sauf que pour Temari, ça allait pas se terminer comme ça. Et là, elle s'est même pris à son mari, à Shikamaru, et elle a crié sur le père et sur le fils. Elle aura même dit, écoutez, vous savez quoi, ce soir vous mangez pas. J'ai trouvé ça marrant, du style qu'il y avait un soutien un petit peu entre le père et le fils, et la femme, la madré, qui a pas blagué avec eux, quoi. Une fois le lendemain arrivé, alors qu'il se dirigeait pour aller en cours, on aperçut Metal Lee qui arrivait de manière un petit peu différente que d'habitude. Et c'est là que la pupille de Boruto s'est encore une
fois éveillé face à un chakra un petit peu maléfique. Dès lors qu'il y avait un chakra maléfique, la pupille de Boruto a l'air de s'éveiller inconsciemment. Et Boruto s'est même rappelé que c'était arrivé à Denki, son premier compagnon. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec Denki, il voulait se venger de ceux qui l'harcelaient, qui le frappaient dehors. Et ben là, c'était la même chose pour Metal Lee inconsciemment. La haine utilisée par le méchant qu'on a pu voir au début faisait naître en lui le chakra et il voulait se battre contre Shikadai. Et ça nous permettait à nous un petit peu de voir aussi la force de Metal Lee. J'imagine que l'épisode a été fait aussi pour ça. Et dans ce combat, il y a eu des propos et clairement le combat en lui-même qui nous a prouvé que lorsqu'il n'y avait pas le stress en Metal Lee, eh ben celui-ci pouvait être plus fort que tous ceux qui l'entouraient. Et il aura fallu de certaines techniques de clonage de Boruto additionnées à des techniques des ombres un petit peu en mode Shikamaru de son fiston Shikadai pour immobiliser Metal Lee, alors que celui-ci commençait à se mettre en colère. Et j'ai l'impression que soit il allait ouvrir une porte comme son père et comme Guy, soit il avait déjà presque ouvert et il savait le faire. Mais là, s'il savait le faire dès maintenant, ça devient impressionnant. Mais il était clairement dans l'optique, et comme on pouvait le voir au vu de ses yeux et de sa couleur de peau, c'était clairement l'ouverture qui allait se faire, non? Je peux me tromper. Mais on a vu clairement dans ce combat que celui-ci était en avance et que, comme l'a dit Shikadai, s'il me touche, je suis mort. Après que Metal Lee ait retrouvé un petit peu ses esprits, Shikadai s'est mis devant lui pour lui demander pardon. Il avait réussi à utiliser la leçon que son père lui avait enseignée. Et c'est ça que j'aime dans Boruto, dans Naruto. C'est vraiment cette ambiance spirituelle, cette ambiance philosophique, tout en nous donnant du plaisir de rigoler de tout ça. Il y a un enseignement de la vie, quoi qu'il arrive, dans l'humour, dans le sérieux, dans la bagarre. On termine l'épisode avec deux séquences que j'ai pu apprécier. C'est lorsque Boruto est rentré chez lui, il a dit bonjour à sa petite sœur, à sa mère. Il y avait la petite séquence un peu marrant du style « Aujourd'hui, maman, j'ai été sérieux en cours. » Et sa mère qui a retenu le « aujourd'hui », ça veut dire que les autres jours, t'es pas sérieux ou quoi? Et juste après cette petite séquence marrante, Boruto s'est vu à poser certaines questions à sa mère. Alors qu'il regardait sa petite sœur, il s'est rappelé un petit peu les yeux, le Byakugan. Il a dit à sa mère qu'est-ce qu'était le Byakugan, comment ça servait à quoi et tout ça et tout ça. Sa mère lui a expliqué un petit peu, comme son oncle aussi, Neji, avait une petite dédicace au défunt oncle de Boruto. Elle lui a expliqué que c'était un pouvoir du clan Yuga, que celui-ci permettait de voir à travers les murs à une longue distance, et même le chakra qui irriguait l'intérieur d'un corps. Et Boruto, qui n'avait parlé encore de sa pupille à personne, se posait certaines questions sur cette pupille. Fin de l'épisode avec Naruto qui rentre chez lui en mode épuisé. Je pense sincèrement qu'être un Hokage ne lui correspond pas en fin de compte. Il a l'air de péter un plomb avec cette fonction et on peut le voir que directement il rentre chez lui et qu'il ne mange même pas, il dit je vais dormir. Une séquence un petit peu triste encore une fois où Naruto délaisse un peu sa famille par manque de temps, par fatigue et peut-être pour une responsabilité qui est un petit peu trop grosse pour lui. Boruto termine l'épisode avec cette haine au ventre contre son père en expliquant quel naze, il n'a même pas goûté à la nourriture de maman. En gros, il y a un manque de Boruto envers son père. Mais le fait de voir que celui-ci n'apporte pas d'importance à sa famille en restant avec eux, lui met beaucoup de haine dans le ventre. Dernière séquence de l'épisode que j'ai trouvé ultra drôle, c'était Shikadai et Boruto qui voulaient un petit peu faire essayer leur console à Metal Lee. En lui expliquant tout plein de salades du style ça va te faire du bien, ça va te retirer du stress, ça va te rendre plus fort, machin, machin, machin. Et à peine Metal Lee qui était en train de jouer à cette console, tu vois Boruto, Shikadai qui lui met une pression et celui-ci n'a pas encore changé. Dès qu'on lui met de la pression, il stresse et il commence à faire n'importe quoi. Et il a fini par péter la console de Boruto en deux. Et vous imaginez bien que Boruto a pété un plomb après avoir vu sa console péter en deux. Épisode sympathique, épisode intéressant qui nous montre un petit peu que les enfants, la nouvelle génération de Naruto, désormais qui se nomme Boruto, est une génération qui peut construire une histoire et faire quelque chose de super intéressant. En tout cas, moi je suis clairement désormais dans ce bain et j'arrive à m'y plaire. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire quoi qu'il arrive. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner parce que YouTube vous désabonne malheureusement. Likez à fond cette vidéo, lâchez vos commentaires. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.